Bonjour, bonsoir Internet, comment nous sommes? Moi, j'espère que nous sommes en forme. Je vous emmène avec une vidéo qui est très simple pour nous. Côté que nous pouvons parler nous, de comment que nous sommes capables de mettre Wi-Fi sous laptop non sans que nous pas tracasser tête non. Dans quelques petits exemples très simples que nous pouvons aller ben nous là, qui pourraient permettre nous sauver quantité comme nous sommes capables de nos services techniques pour nous capables de résoudre le problème ça. Mais des fois que le problème ça va toujours poser, c'est lorsque le laptop là, ou qu'on quitte dans mon monde, et puis mon n'a pas gagné trop idée de lui, et puis voilà que lui rentrer tout côté, lui rentrer, et puis sans attendre, ni rentrer dans partie qui ces paramètres là ont bien ça aurait des configurations, hein, et puis lui désactiver tout ça que qui est capable de permettre de connecter avec Internet. Mais nous pouvons venir avec résolution pour vous, ou pas besoin de tracasser tête. Premièrement, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a un pile laptop parfois, comme si, qu'on retrouve, il y a un petit carré, tout rond, okay? Et ça va dépendre de Windows qui sous lien, mais ça, que nous pouvons montrer, nous, ni bon pour ni Windows 7, ni Windows 10, ni Windows 8, ni Windows 8.1. Ok? On allait. Et notre frère ça là, lorsque nous cliquons sur lui, nous gagnons plusieurs options. Mais ce qui est plus intéressant, nous, c'est l'option Internet là. Mais nous avons gagné un petit globe qui gagne un petit one tout petit là-dedans qui dit que qui annonce que nous pas gagné accès avec Internet. OK? Et maintenant, quand l'autre laptop, qui est plusieurs laptops, vous doit joindre que vous gagnez des traits de réseau, encore titre vertical, et qu'on gagne quoi sur yo. Et puis, quand ça tout qu'on gagne tout, qui qu'on gagne un petit carré, ok, un petit carré, hein, ou qu'on joue un petit bagaille tout rouge en dedans. Maintenant, capable de lancer un petit globe. Bam. Premier, ça on fait clic droit, ok. Nous allons détecter quel genre de problème que les gagnants. Et puis, résoudre les problèmes. Ok. On fait clic. Là, il dit donc que détection des problèmes. Et puis en bas, il dit me vérifier si le problème est résolu. OK? Ça arrive que pendant que moi aller dans résolution des problèmes là et puis problème n'a pas résolu. Qui ça me fait moi vérifier si problème là lui-même lui résolu. Vraiment. Et puis nous même pas sur ça tout, il nous la barre si problème n'a pas résolu, la barre qui côté qui gagne problème yo dans un petit moment qui est très simple. Voilà, c'est ça que me t'a dit nous. Moi gagne trois côtés qui gagne problème. Premièrement, dans 4 Ethernet numéro 3, maintenant, il désactive 4 connexions de réseau Bluetooth moyen numéro 2, il désactive et puis il gagne 4 Wi-Fi qui lui-même qui désactive, qui empêche que moi monter sur Internet dans le moment que je gagne Wi-Fi là quand même, et puis je besoin faire une recherche, je vais faire et parce que vous connaissez que ce n'est pas toute recherche que vous faites sur un téléphone Android. Bam. On allait, nous voir les mêmes côtés. Hein? Non, même flèche là, je te dis non ça, pas maintenant capable de lancer un petit globe, dans le cas pour le grand ouais, les différents. On a le clic droit et puis ouvrir les paramètres réseau et internet. Après ça, nous allons aller dans modifier les options d'adapteur. Et puis là, les bons moins 4 options. Dans 4 options, moi, je gagne seulement Ethernet 1 comme si qui en fonction. Ok, donc capable de garder. Seulement les mêmes qui en fonction. Mais à part de ça, les dîmes que connexion de réseau Bluetooth moyen OCA, moi-même laptop pas mal en espagnol, c'est ça cause que vous avez marqué connexion de Red Bluetooth numéro 2. Et puis, ouais, je n'ai là tout, je n'ai terminé numéro 3, les désactiver, Wi-Fi, désactiver tout ça. Mais c'est des petits problèmes comme ça qui sont très simples pour résoudre. En arrêt. Premièrement, c'est que ma résolu connexion de réseau Bluetooth là. Moi faire un clic sur lui, après ça moi aller ou jeune bah plusieurs options là qui c'est trois options et premièrement ouais activer ce périphérique réseau, renommer cette connexion ou encore modifier les paramètres de connexion. Premièrement ça l'a fait, nous allons activer ce périphérique de réseau. Nous faisons clic sur lui, il y a une activation. Déjà, il est OK. Et puis nous allons dans deuxième là qui c'est Ethernet 3 qui désactiver. Nous allons activer les tours, c'est activer ce périphérique réseau, lien activation, lien OK, et puis nous allons dans
dernier parti hein, qui c'est wifi hein, ok, et puis activer ce périphérique réseau. Voilà que et ces problèmes ça occupe cause que laptop ou en pas de cas comme si qu'un wifi sur les. On allait en bas, on allait vérifier pour nous si travail là, ok, bah ouais. On a le même côté à notre flèche là, nous faisons clic sur lui. Après ça, il va nous exactement toute option, toute wifi comme ce qui est disponible que vous êtes capable de connecter ensemble avec lui. Dans le moment où que vous avez un wifi là caillou et puis non, on a déjà apparaît là et puis vous cliquez sur lui et puis la bonne option pour mettre mot de passe. Normalement, vous avez accès libre avec internet sur laptop. Merci tout le monde, moi j'espère que vidéo ça comme s'il était important pour vous, il était sauvé pour vous, j'en vous dis là. Et la seule façon que vous êtes capable d'aider nous, c'est toujours rester connecté ensemble avec nous par un seul moyen qui c'est abonner avec channel là. Et puis vous pouvez toujours joindre chaque vidéo que nous publions, il y a aider à adapter avec technologie hein, pour pas dépenser trop cob dans service technique. Merci, c'était un plaisir pour nous être ensemble avec nous. Vous êtes branché pour suite vidéo.